tout le monde, c'est Redoing, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de YS, Lacrimosa of Dana. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire. Hein. Nous avons échoué sur cette île mystérieuse et qui cache vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. Et donc, nous sommes arrivés sur cette petite plage assez sympathique dont la musique est vraiment méga bien. Écoutez-moi ça. Oh là là, c'est rythmé, j'adore, moi perso j'adore. La musique de ce jeu est juste tout simplement incroyable, elle est vraiment très très belle. Je me permets quand même d'explorer quand même un maximum la zone pour pas être emmerdé plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Donc on va vraiment continuer à avancer, voir un peu ce qui se passe. Donc là on passe directement dans une autre zone. Adolphe désaltère avec l'eau pure du ruisseau. Vous sentez que votre corps se réhydrate. Vous vous sentez revivre. Restez immobile, régénère vos PV graduellement. Si technique ne fonctionne pas en donjon, alors n'oubliez pas les potions. Voyons voir ce qu'il y a plus loin. Ben oui, mais attends, on explore. Adolphe, ne sois pas si pressé. Là, il y a vraiment beaucoup de poissons, parce que tout simplement, il y a aussi la pêche dans ce jeu. Hop là! Donc oui, moi, c'est sûr, hein, je règle assez facilement, parce que moi, je connais les commandes et tout ça. Donc... Voilà, moi, je suis un peu avantagé, vous inquiétez pas. Hop. Donc c'est pour ça que les combats ne vont pas durer très 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 longtemps. Hein. Enfin, on va éviter. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. Ça se fait rec, ça comprend pas leur douleur. Ah, attendez, hop. Quand même. Parce qu'il nous faut quand même aussi un peu d'XP, hein. On en a besoin. Ah ah. Merci pour les baies. Oh, et c'est des cerises, hein. On est tous pas très cons, hein. Et ouais, ça. Ah, oh, tu sais pas lancer. Ah, oh, tu me fais pitié pour bonhomme. Hop, voilà. Ah, et moi, c'est comment c'est beau. On voit des gros trucs là-bas qui volent. Ah, ouais, c'est beau quand même. On peut dire ce qu'on veut. L'île est très très belle. Hop. Allez, on continue. Oh oh. Eh, c'est toi, hein, c'est ton machin qui est tombé, hein. On s'est pris une claque. T'es sérieux? Franchement, pourquoi est-ce que les hommes sont comme ça? En plus d'être bourrin, il faut aussi qu'ils soient impulsifs. Mon nom est Lashka, je suis la fille de la famille Roswell du clan Garman. Le bateau dans lequel j'étais accoulé et a dérivé jusqu'au long du côté. Ok, oui, mais. Je dirais que vous êtes un marin du Lombardie. Je suis ado agressif, je suis marin temporairement. Bateau de Christ.
危うくたとえ臨時の船員だとしても関係者として。それは。Ouais, on va expliquer le truc avec les tentacules. バドルと言いましたね。それでは、その巨そのような突飛な話、一体どこまで人？あら？気のせいでしょうか。どことなく似ています。Je me fais l'idée, vous avez un air de. Il lui ressemble. Quand il parle. On vit des connaissances là, qu'est-ce que vous venez nous faire chier là? Bah d'où sort-elle? Bah. Eh ben on va voir ce qu'elle a dans le bide. Alors. Adol utilise tranchant et SK perforant. Donc tranchant et efficace contre les ennemis mous. Perforant contre les ennemis volants et contondant. Est efficace contre les ennemis durs. Si le mauvais type est utilisé, les dégâts infligés sont réduits. Donc important, ouais, baisse de défense, dégâts moyens. Mais... Ok. Ok. De plus, le taux d'apparition d'objets rares augmente. Les dégâts sont infligés indépendamment du type. Ok. Priorité attaque, priorité évasion. Je suis carré pour changer de personnage est devenu possible. Hop. Et voilà. Maîtrise totale. Oh, puis elle récupère aussi les trésors, mais c'est très bien. Je me pensais que vous n'étiez qu'un marin, mais on dirait que vous savez plutôt bien manier l'épée. Ça fait longtemps que quelqu'un m'avait pas réussi à me parer mon coup. Je ne disais pas ça pour complimenter. On dirait que nous sommes en territoire ennemi. Adol, Christine, commençons par aller dans un endroit sûr. Ouais. Il s'agit tout simplement d'une pause au milieu d'un combat. Une décision, tout ce qui est plus rationnel. Je vous fais absolument pas confiance. Si vous avez compris, ne restez pas là à rien faire et mettez-nous en route. Oh là là, hé, mal baisé celle-là. Oui, bon ça, oui, c'est... Je comprends ça. Bon, il faut aller par là, je pense. Ah, direct, il a quitté l'équipe. Non mais... Utilité zéro. Il y a un gigantesque cristal en se rapprochant pour ressentir une aura réconfortante. Adol a récupéré tous ses points de vie. Vous approchez les cristaux, soignez vos PV et altération d'état. Après un game over, les cristaux permettront de recommencer la partie. Ok, ouais, c'est... et puis en plus il y a la sauvegarde auto, donc c'est parfait. Hop. De toute façon, nous sommes naufragés. 3 viandes rouges. Différents objets issus du naufrage des rues et de la plage. Oui. Par ici, elle a l'air de rien avoir d'intéressant. Mais non. Ah, j'ai cru voir un ennemi. Non? Non. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Par là. Un ruisseau d'eau fraîche coule. Il semble l'endroit idéal pour se désaltérer. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de pas aux alentours.
Ouais, c'est bien vide ici. On dirait que qu'avant la route de la colline s'étend sur une grande plaine vide. Donc on n'a pas besoin d'y aller. Eh oh. Ouais, y a vraiment rien en fait. Ah. D'accord. Donc faut aller là. Hop là. Merde. Pourquoi j'ai appuyé le bouton utiliser. La mer s'est en perte de fût. Mais qu'est cet endroit? Si seulement il y avait un village dans les environs. Pour l'instant, nous en savons rien. C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'indices. Il se peut également qu'ils aient échoué ici, tout comme nous. Ne resterons pas là à rien faire et allons voir s'il y a d'autres personnes. Ouais, y'a personne ici, quoi. Ce serait parfait pour se cacher. Oui, c'est vrai. On dirait bien qu'il n'y a pas de bêtes et ce lieu pourrait servir de camp. Oh oh. J'ai l'impression d'avoir aperçu une silhouette par là-bas. La poursuivons là. Oui, je ne sais pas s'il s'agit d'un naufragé ou d'un habitant, mais nous pourrons peut-être aller le faire parler. Poursuivons-le. Eh bah, let's go! Ah, par là, ils disent, il faut aller dans le truc là. Ici, y'a rien. Bon, eh bah, allons-y. Cet endroit, on dirait une caverne. Sans rire, t'as trouvé ça comment? Caverne au clapotis. Ah, niveau 4. Et puis la fille aussi. Ah bah yonk. La fille aussi. Yep. Alors la planque là que je viens de casser, c'est une planque spéciale qui me régène mon énergie. Mais quel est cet endroit? Il y a des traces de présence humaine. Caca doit habiter ici. Ouais, je sais pas. Ça fait un petit moment, non? J'ai l'air délabré. C'est vrai, c'est un peu trop chaotique pour que Kika y vive. Cet endroit est sûrement abandonné. Mais je ne vois pas d'autres indices. Ado et Christine, inspectons les alentours. Oh! C'est très vieux, mais ça devrait aller. Y a quelque chose à l'intérieur? On dirait qu'il manque quelque chose ici. Oh, les armures de cuir. Ça aussi, ça a l'air d'un autre âge. Équipement, armure, pousserie de défense. Et toi aussi, voilà. Ah oui, elle a plus d'attaque. Moi j'ai carrément plus de PV de défense. Mais elle a plus d'attaque. Pourquoi? D'accord. Je perçois une image sur ce rideau. C'est... Il est endommagé mais ça ressemble à un blason. Malheureusement il est complètement méconnaissable. Ici. On dirait des débris d'un vieux vase. Tout est couvert de poussière. Cet endroit a été laissé à l'abandon. Quelqu'un est venu ici, il n'y a pas de doute. Mais je ne vois rien qui puisse ressembler à un indice.
Oh, ça a l'air vieux, mais c'est encore fonctionnel. Alors Christine, voulez-vous échanger votre épée avec celle-ci? Équiper l'épée courte à la place de l'épée rouillée. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Celui qu'on poursuivait a disparu. On ferait mieux de continuer notre chemin. Alors, est-ce que j'ai plus d'attaque maintenant? 22. Ok, je suis meilleur qu'elle. Ok, ça... ça me rassure un peu en soi. Allez, ça va. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai remarqué que quelque chose lors de notre dernier combat. Combo aérien, ouais. Ouais. Ouais, quand vous utilisez l'attaque en sautant ou un coup spécial, les dégâts sont plus importants, oui, bon. J'essaierai. Ah, pour obtenir des PS, ouais, oh, pff, je sais ça. Je vois. Hop. Ah non, c'est... Ah, balance des dagues. Genre... Oh, regardez comment on lui fait pas de dégâts. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai perdu un coup là. Voilà, je reprends Adol moi. Merde. C'est bon. J'adore parce qu'ils avancent carrément leur truc quoi. Ils échangent carrément leur pote. L'autre il a beau être en l'air, ça change quoi. On est déjà niveau 5. Mais c'est bien ça. Ça monte très bien. Eh, tu crois que je t'avais pas vu toi? Noix de coco. Avec 200 PV. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal du tout ça. Oh oh. Je manque, qu'est-ce que c'est? Bah ça, soit non. Qui est-ce? Bah un mort. Ce cadavre est dur comme de la pierre. Vu l'événement qu'il porte, c'était sûrement un pirate. On dirait qu'il est mort depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'il fait ici? Surtout, comment son bandeau fait pour tenir? Potion résurrection. Je pense que ce serait con qu'on utilise direct la potion de résurrection. Comment il fait pour tenir son bandeau? C'est quand même incroyable. Hop, voilà, c'est bon, on a enclenché le cristal. Allez, regardez-moi ça, il y a quelqu'un là. Vous avez vu? Il n'y a pas de doute, il y avait quelqu'un. Suivons-le. Ah, prévisible. Chauve-souris géante. Le roi déchu. Biff Teresa. Ouais, sale bête. Hein. Tu penses pouvoir nous barrer la route? Je te laisserai pas faire. Vous pouvez maintenant utiliser les attaques utiles. Oh la vache, les mecs, regardez-moi ça. Utiliser et les. Vous avez oublié de mettre un espace, les gars, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Bon, en fait, pour utiliser les attaques ultimes, vous voyez à l'intérieur de la roue, vous allez avoir une jauge bleue, jaune qui va monter. Et quand elle sera pleine, je pourrai utiliser l'ultime. Comme là actuellement. Mais moi, je vais utiliser un moyen. Un moment bien particulier. Ça ne va pas. Il n'arrive pas à me toucher. Genre maintenant. Parce que là vous voyez sa jauge de défense, je l'ai brisée, sa petite jaune bleue, jaune, bleue et qui devient jaune après. Et là, allez, atomisé. Donc là je l'ai atomisé littéralement. Et il m'a pas touché. Bien joué, Adol Grayson.
Oui, reprenons nos esprits, oui. Je leur ai fait « Ah, je suis trop content, on a gagné !» oui, on a gagné. Assume, assume, ma grande. Oh, cet endroit. Il s'appelle la mer. Ne te décourage pas, ouais. Ah, le capitaine! Oh, Adol! Moskashita Adol ka? Odoroita dareka inai ka to sagashiteita no da ga. Ma. Ah. Adol, kochira no kato wa? Adol présente Ashka au capitaine et lui racontait des événements récents. Alors, si je me souviens bien au dernier épisode, hein, tout le monde sait qui c'est le capitaine parce que t'étais là pendant la grande fête. Hein. T'as la mémoire un peu courte, ma cocotte. Hein. C'est ainsi que le navire a coulé et me voilà ici. Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation, je suis vraiment désolé. Bah, techniquement, c'est pas de sa faute hein, si le tentacule était vraiment trop gros. Hein. Je vous prie de m'excuser. J'ai juste un peu de mal à accepter la situation. Est-ce que vous savez au moins où nous sommes? À première vue, on dirait qu'on a échoué sur une île. Si on croit le sens du courant et l'environnement marin dans lequel on a échoué, je pense que nous sommes sur une île déserte connue sous le nom de l'île de Sereine. Déserte. Malheureusement, ce ne sont pas de simples légendes. Cette île est aussi maudite, on raconte qu'elle épargne personne. Qui aurait cru qu'on débarquerait comme ça? Et les restes dans la caverne? À première vue, on dirait qu'il s'agissait d'un pirate. Mais peut-être d'un simple naufragé comme nous. Un seul naufragé qui a fini par... Je pense... Bah non, c'est bel et bien pirate, hein. Je pense que... À moins qu'il soit vraiment fait déboîter, s'est fait bouffer en miettes, en mille morceaux. C'est peu probable. J'ai réussi à survivre ici, mais il est de mon devoir de capitaine de vous faire part de mon expérience. Il est possible que tout autre passager comme vous ait fait naufrage sur cette île. Nous devons d'abord prendre la situation en main. Ensuite, nous joindrons nos forces et pour que tous les autres naufragés reviennent sains et saufs. Elles ne pourront pas rester ici à discuter éternellement. Allons explorer les environs. Qu'est-ce que vous comptez faire à partir de maintenant? À ce propos, Adol, toi qui es aventurier, j'aimerais que tu m'aides à faire quelque chose. Aventurier? C'est de vous qui parle? Ma première requête consiste à partir à la recherche des passagers comme vous. Les autres passagers ont peut-être dérivé sur l'île, tout comme nous. Il s'agit peut-être de femmes ou d'enfants, nous devrions nous dépêcher. Ouais, c'est inquiétant, oui, en effet. On dirait que les bêtes traînent dans le coin. Ah, oui, aussi, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. C'est à propos de cette île, je voudrais que tu dessines une carte de l'île de Sereine. J'ai déjà dessiné les cartes. Ah, ça me fait chaud au cœur. Les navires ne passent pas dans cette zone, il faudrait mieux penser que les secours ne viendront pas. Il faudrait bien préparer notre fuite, donc nous resterons sûrement sur l'île pendant un moment. Dans ce cas, il est désormais important de partager nos informations concernant la géographie exacte de la situation des alentours et tout le monde. Nous, préparer? Bien sûr, il faudra penser à prendre des vivres et également préparer le bateau. Qu'en penses-tu, Adol? Est-ce que je peux compter sur toi? Ouais, il était aussi intéressé par l'île. Ah bon? Je ne m'attendrais pas à moins venant de ta part d'aventurier. J'aimerais également qu'on crée un camp ici pour fouiller les alentours en même temps. J'aimerais que nous restions ici à un moment. Il faudra évidemment un camp. Capitaine Barbados? J'appelle Barbados, moi je suis désolé. Laska, pour vos sécurités, j'aimerais que vous restiez ici. Vous voulez que je reste ici à regarder les bras croisés? Je vous remercie de votre bienveillance, mais acceptez cela un déshonneur par la famille Roswell. Sur ce, je vais accompagner cet aventurier.
Ah mais bon. La personne qui m'occupait a disparu. Je peux pas laisser les gens s'occuper à sa recherche pendant que je suis là à me tourner les pouces. Bon, si vous étonnez à ce point, cependant, nous avons aucune idée du genre de danger qui pourrait nous attendre. S'il vous plaît, soyez prudente. Adol Christie, 私の質問に答えなさい。 あなたは一体何者な? 剣の腕が立つことは認めましょう。 でも 冒険家とは何ですか? 冒険なんてものは それを最もな役割のように主張するや。 え、セパセコアナモトリー? 良いこと? 私があなたに同行するのは あなたが私の大嫌いな人間に似ているからです。 Car vous ressemblez à la personne que je hais le plus. Et c'est pas notre faute. Taisez-vous, on n'a rien fait. C'est toi qui a enlevé ta serviette. Hein. Techniquement, c'est pas Adol, hein. C'est toi, ma grande. Hein. Tu t'es dénudée toute seule. Nouvelle technique, peut-être? Ah, pas du tout. Ouais, c'est pas les trucs, les attaques les plus fous, mais... Attaque 9, attaque 8, ouais. Ah, on est passé à 30? What? Mais, ah oui, ah, on est déjà niveau 6. Oh là là là. Ça monte très vite. Ça monte très vite. Et puis, il y a les trucs de DLC, mais là, les DLC, on n'a pas, là. On n'a pas de DLC. On commence déjà à avoir une belle collection de ressources. C'est bien. Bon, c'est des 1-2, hein. C'est mieux que rien. Alors, bien. Commencez par rechercher les naufragés et à créer une carte. Tout d'abord, pourrez-vous vérifier les endroits que nous avons parcourus jusqu'à présent. Ok. Alors, une carte des endroits parcourus par Adol jusqu'à présent a été créée automatiquement. Pour avoir une vue d'ensemble, utilisez la carte de vue d'ensemble. Pour une vue plus en détail, utilisez la carte de zone. Et oui, je sais, moi. Bon, alors, où allons-nous désormais? Si nos fillons par la carte des alentours ne nous ont pas tout encore exploré, ce serait par là. Pour l'instant, pourquoi nous n'aurons pas allé pour aller voir là-bas? Nous devons commencer par ce raccourci devant nous. Impossible de savoir ce qui nous attend plus loin. Avançons avec prudence et gardons toujours le moyen de faire demi-tour. Il est devenu possible de se déplacer directement, oui. Oui, maintenant on peut se téléporter maintenant cristaux en cristaux. C'est assez l'avantage. C'est assez avantageux, je l'accorde. Bon, alors, on va aller par là. Bon, vous n'allez pas faire long feu, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Des minerais de fer, pourquoi pas. Attends. Attends. Voilà. Parfait. Quitte à exploser, autant tout exploser. Hein. Oh, les pauvres, comment ils tiennent pas, quoi. Ah, t'es bien de rouge. Super. Donc ces machins là ça donne la viande rouge. Oh le pot atomisé. Loulou. Voilà. Tac. Voilà. Bon, ça c'est quoi ça? Amas étrange, amas étrange. Ouais. Ici, il y a du bois. Ah, je peux pas récupérer. Je peux pas récupérer, bon tant pis. Là, je peux pas y aller.
Et non. Des mangues. Oh. Et là, je peux pas aller. Bon. Ça se complexifie un peu, là. Elles ont repop. Ah ouais, c'est chaud, ça repop, là. Ah ouais, ça repop, là, c'est pas bon. Ouais, il y a les marques de pas là. Cet endroit, on dirait que de très puissantes bêtes se baladent dans les environs. Avançons avec prudence. Servez-vous lorsque vous aurez pris vos marques. Ouais, esquive éclair, ça je connais. Et garde éclair, je connais, oui. Hop, hop, hop. Voilà, je ne l'ai pas vu. Et le cristal est en bas. Bon, le cristal est en bas. Hop là. Des traces de pas. Surtout que ça a commencé ici en fait. Blé de Sérène. Si tu veux, on dirait que la personne elle a commencé ici. Elle a fait hop, hop, hop. Ah, bizarre. Ah. Ouais, merci. Je me suis dit, je vais pas pouvoir le récupérer. Voilà, ça a pas compris la douleur. Feuille de Giguitalis. C'est de la ressource, hein. Voilà. Hop. Faut qu'on se fasse ces petits machins là. Ah. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué un peu. Voilà. Merde, je voulais faire une esquive éclair. Ah, rotation aérienne. Ah, nouvelle technique. Nouvelle technique. Et toi? Non. Et ça consiste à... Oh, ça va. Bon, c'est pas un truc que j'utiliserai tout le temps, mais ça peut être sympa. Là, de la noix de coco. Là, bah là, c'est bloqué, hein. Des gros rochers empilés les uns sur les autres bloquent le chemin. On dirait qu'une grande plage de l'autre côté également. Mais on peut pas passer par là. Puis en plus, ça, on voit bien les traces de pas. Trash fraises n'ont pas l'air de continuer plus loin. C'est peut-être qu'un autre passager du Lombardie. Ok, je prends juste ça quand même pour le plaisir. Voilà. Ok, on a exploré combien de pourcent de la zone? 44%. Bon. Et sur toute l'île, 3%. Lol. Lol, lol, lol. 3%. Là ici on a exploré 100%, là 100%, là rien du tout, et là 44%, ok. Ok, bon. Eh ben on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, je fais quand même. Voilà. Donc nous on va quand même s'arrêter ici, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rezo pour vous servir, à vous les studios. Ciao.